Bonjour à tous, bienvenue sur canalter.com. Nous allons parler des KT de ce samedi après-midi sur les forums de Saint-Cloud, bien évidemment, également de celui de dimanche qui aura lieu, lui, sur les forums de l'Auteuil. Dans les deux cas, le terrain sera très lourd, il faut que vous le sachiez. On attaque le KT, c'est le grand handicap de l'élevage. L'une des courses les plus importantes pour les femelles âgées de 3 ans et plus. Ma favorite, c'est le 9 numéro 13. On l'a vu très bien terminer sur une distance trop longue, c'est 3100 mètres, 2500 mètres, c'est en plein son truc. Elle adore le terrain lourd, elle vient de Tchécoslovaquie, non pour voyager, mais pour s'imposer. En faisant le papier, je suis tombé sur une excellente outsider montée par Christophe Souignon, il y a 20 contre 1. C'est Mauve sur Loire que présente Guy Chérel. Elle est prise en 36, elle vient de très bien faire dans des lots légèrement supérieurs. Pour moi, c'est une très belle chance. À noter qu'elle se produit pour la première fois sur un terrain lourd. Ses origines nous indiquent qu'elle va très bien s'y comporter. Le terrain lourd sera également un atout majeur pour Marcilly, le numéro 17, que je vous conseille de retenir. De la même manière que vous retiendrez le 10, Fiji Darcis. En début de saison, elle avait montré de très belles dispositions dans ce genre de terrain, sur cet hippodrome d'ailleurs, donc on retient. Vous retiendrez également le 16, Vasisaki. Le terrain lourd, là encore, est intéressant. Le 2 Glade, parce qu'elle vient de très bien courir à ce niveau, sera retenu. Pas très intéressant, c'est la favorite. Et on retient également une grande spécialiste du lourd, à savoir le 15, Never Say Never, capable de très bien faire. Dans cette réunion, je vous rappelle un peu ma suggestion de jeu, le 9, le 6, le 17, le 16, le 10, le 2 et le 15. Dans cette réunion, disais-je, vous ferez très attention à le prix Denizy, c'est la belle course du programme. C'est la sixième, une listed race, à la candidature du 4, Nawal. Jean-Bertrand Balanda le présente ici. Pour la première fois au niveau listed, il a gagné des gros handicaps, il s'est produit au niveau groupe. C'est la première fois que le curseur est réglé dans cette catégorie. Il devrait s'imposer. Sa cote avoisinera les 5 contre 1. C'est un beau jeu simple gagnant. On peut également masser la place. Terrain lourd et distance, 3100 mètres sont exactement sa tasse de thé. Dimanche, quintet extrêmement difficile et pour tout vous dire, pas très intéressant sur le programme d'Auteuil. On fera particulièrement attention aux deux représentants d'Arnaud Cheyé-Chaillé, à savoir le 6 Vainé Duberlé qui sera sans doute favorite. Elle devrait s'imposer. Le lourd ne devrait pas la déranger. Attention également, même si là, selon Arnaud Chaillé-Chaillé, ses chances sont moindres, à la candidature du 4 Max d'Aubrasil. Il y a 3 Chérel dans la course, j'en ai retenu 2, le 8 Big Ball, dont il faut effacer la dernière contre-performance, et l'As Happening, monté par l'excellentissime James Ravely. Boston Paris est le cheval de la course, présenté par Dominique Bressou, il devrait faire la sienne, autrement dit on retient. Curly Basque, c'est l'écurie de François-Marie Cotin, il vient de très bien se produire à un niveau moindre. Il est dans sa catégorie, il peut prendre une place. On retient également le 13 Syndromos. Beau week-end en prévision pour Jean-Bertrand Balanda, qui entraîne justement ce 13 Syndromos. Et on fera attention, ben c'est tout, on a fait le tour. Je vous en propose 7 dans cette épreuve, le 6 Vainé Duberlé, le 8 Big Ball, le 2 Boston Paris, le 12 Curly Basque, le 4 Max d'Aubrasil, le 13 Syndromos. Hélas, Happening, quelques chevaux à jouer dans cette réunion d'Auteuil. Le 402 Corsia, pouvait y aller, elle va gagner. Le 602 de Weiss, vous pouvez y aller, c'est encore un maker. Il devrait s'imposer en dépit de la présence de nombreux anglais dans ce prix Renault du Vivier, grande course de haie des chevaux de 4 ans. Le 702 Belle Lavie, c'est encore Guillaume Maker. Il retrouve le style qui est sa discipline de prédilection. On oublie ces deux courses de rentrée sur les haies, il devrait très bien faire. Et dans la dernière, pourquoi pas une petite pièce sur le Christophe Aubert, le 804 Estraline, une fille de Martaline qui devrait se plaire dans la piste lourde, voire défoncée, pour cette ultime course de la Réunion. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très prochainement, toujours sur Canal Turf. À bientôt.